Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes à collectionner en tout genre. J'espère que vous allez bien avec ce temps pourri. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture. Retour aux sources. J'ai vu qu'on avait passé les 3000 abonnés, mais bon, on s'en claque un petit peu, hein. Merci quand même à tous ceux qui nous suivent, qui laissent des petits commentaires positifs et tout. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, retour aux sources et on ouvre du Metazoo, le Release Event Box Motherfax. Eh bien, écoutez, c'est un très joli petit item. On avait reçu, vous aviez vu la dernière fois, le petit Starter Deck Ice Age de Magic qu'on va ouvrir sur la chaîne dans pas très longtemps, hein. Je le palpe encore un petit peu, je le regarde. Et puis après on va lui mettre son petit coup de scalpel et puis on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est Metazoo et la rumeur qui tourne autour de Metazoo. Alors Metazoo c'est un jeu qui est sorti en 2021. Kickstarter, tout avait fonctionné, des tournois à 1 million, on en a déjà parlé. Pas mal de gros trucs, des cartes qui avaient atteint des sommets, des 10K pour certaines cartes, des 12K pour certaines box. Enfin bon, c'était devenu n'importe quoi jusqu'à la faillite de l'entreprise, le dépôt de bilan, tous les distributeurs, tous les gens qui sont laissés sur le carreau derrière. Donc ça a été vraiment une vraie boucherie. Voilà, moi j'avais commencé à faire ça, on avait commencé la chaîne avec ça, alors qu'on avait collectionné bien des choses avant, mais on trouvait sympathique, on était les premiers à ouvrir ça en France et on trouvait ça très sympathique, comme plein de gens qui se lance dans Altered, Rise et j'en passe. Voilà, je leur souhaite bonne chance, mais il y a de grandes chances que ça finisse comme Metazoo. Alors Metazoo, une petite boîte comme ça, il y a encore, on va dire, 2 ans, peut-être 2-3 ans, enfin 2 ans, ça se vendait 100-120 € à l'intérieur. Il y a donc un petit truc de règle, il y a une carte promotionnelle donc à l'intérieur qui est holographique, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. On a le petit dragon, je ne l'ai pas, celle-là je l'ai, celle-là je ne l'ai pas, celle-là je l'ai en double, il me semble, et celle-là je dois l'avoir. Donc ça, ce petit item très sympathique qui a 3 boosters à l'intérieur. Les boosters, c'est pareil, à l'époque, ça se vendait peut-être 30 € pièce très facilement. Vous les mettiez, vous les vendiez. Grosse hype, gros FOMO autour de Metazoo. Et puis après, ça a été la dégringolade. Alors nous, on s'appelle le chasseur de Mothman, puisque bien évidemment, le Mothman, c'est ça, c'est l'homme mythe. Voilà, qu'on peut retrouver ici en des PGS 9, à la base je l'avais pas acheté gradé, je m'en fichais, c'était surtout pour ouvrir le petit boîtier après et puis la laisser respirer un petit peu, je le laissais dans le boîtier, je ne sais pas si on l'ouvrira ou pas. Bon, pour l'instant elle reste comme ça. Après, les petites cartes, ce qu'on va chercher autrement, vu que c'est l'édition 1, hein, après c'était sorti également en édition 2, ça c'est Box Topper, on s'en fiche, ça c'est un petit booster Pokémon. C'est pas ce qu'il fait là. Et après, voilà, c'est le genre de carte que vous pouvez trouver à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pas ça, parce que ça, c'est des auras. Voilà. Et après, vous avez ce genre de petit holographisme. J'avais déjà montré les cartes, mais pour vous montrer, voilà, c'était toutes des cartes qui valaient entre 50 et 100 € pièce. Ça, ça c'est le genre de petite promo qu'on peut trouver à l'intérieur. Voilà, un petit truc Nightfall d'Halloween. Ça, c'est le Mothman, mais le mini Mothman. Et après, normalement, on avait, voilà, ça, on le retrouve ici. Et après, normalement, on l'avait, je vais bien en trouver une. On en a quelque part, hop, vous avez franchement des très très jolies holographies. Voilà, et après vous aviez ça, donc ici on l'a en édition 1. Ici on l'a en édition 2, il y avait un petit peu, il y avait une différence d'impression entre les deux. Hein. Celui-là est un petit peu plus bleuté, celui-là un petit peu plus violet, je ne sais pas si on le voit en vidéo. Voilà, et on va essayer de choper cette carte. Donc ça c'est une carte qui, je sais pas, sous PSA 10, ça se vendait... se vendait à 500 € au début, et puis après ça a atteint des sommets. Après, le full set était 1500 €. Cette carte valait à l'époque, je sais pas, peut-être 100 €, c'est pareil. Et là, actuellement, donc les prix sont bien descendus, mais le jeu n'est pas totalement mort. C'est ça qui est un petit peu hallucinant. Il survit, il y a toujours des gens qui en achètent un petit peu. Il n'y a pas de manipulation de marché, parce que honnêtement, il n'y a pas assez de ventes pour que ce soit le cas. Ce qu'on peut dire, c'est que maintenant une boîte comme ça, elle est descendue à 30-40 €. Je disais qu'avant elle était à zéro, c'est pas forcément vrai, puisque ça se vendrait encore. Bon, ça j'en ai encore quelques-unes de côté. Oui, c'est pareil, à l'époque on avait mis un bon billet là-dedans, mais c'était vraiment un billet, comme on l'a déjà expliqué sur la chaîne, qui avait été gagné grâce à Pokémon. Et puis voilà, on voulait se lancer dans un autre truc. Et franchement, c'était très rafraîchissant à ouvrir. On avait passé de très bons moments à le faire. Donc la rumeur qu'il y a autour de Metazoo, eh bien, hop, ça on va le mettre de côté, on va commencer à ouvrir ça tranquillement. La rumeur qu'il y a autour de Metazoo, donc Mike Waddle a mis la clé sous la porte, et ce serait que ce serait racheté. Alors, il y a eu des rumeurs pendant... On va arracher ça avec les dents. Et il y a eu des rumeurs pendant un bon moment sur ça pourrait être Rudy d'Alpha Investissement, s'il avait les bons partenaires, et ainsi de suite. Pareil, le petit scellage très, très sympathique, comme ça, avec un petit peu floqué dessus. Et la rumeur, la dernière rumeur du moment, ce serait que ce serait racheté. Voilà, ce serait racheté
par Tops, enfin plutôt Fanatics, puisque dans l'histoire, on va dire, des cartes, il y a eu des cartes, déjà les premières cartes, je crois, qui ont été imprimées à collectionner, sont sorties au 19e siècle, hein, c'est pas tout nouveau, milieu du 19e siècle, et après, ça a été avant la guerre, vers 1938, il y a la marque Tops, qui à la base était, je crois, une confiserie à New York, et qui a créé les premières cartes à collectionner comme on les connaît, voilà, 1938 création. Ça a commencé avec des chewing-gums, des choses comme ça, et puis après, ils ont commencé à faire des cartes de baseball, ils ont eu toutes les licences, baseball, NBA, tout ça, foot et compagnie. Et là, depuis 2022, ça a été racheté par Fanatics, Tops, voilà, Fanatics et Tops qui avaient travaillé ensemble pour Metazoo, donc ça paraissait tenir la route, on va dire. Et la rumeur voulait que ce soit eux qui aient racheté. Alors franchement, faudrait être bien accroché pour acheter Metazoo parce que les gens ont tellement été brûlés avec leur stock, leur truc, que je ne sais pas si ça pourrait repartir. Voilà. Avis à tous ceux qui ont investi dans tous les derniers trucs. Là, voilà. Donc Fanatics 2022, Fanatics, c'est ceux qui vendent les maillots. Voilà les petits boosters, édition 1. C'est ceux qui vendent les maillots de sport, que ce soit de foot ou autre. Et bah, ceux qui vendent tout ça. Donc le patron a aussi, je crois, l'équipe de Philadelphie, s'il me semble. Voilà. Eh ben, on l'a enfin, le petit dragon. Ah, ça fait plaisir. Très jolie carte. Je sais pas si vous allez le voir parce qu'avec le plastique, c'est jamais. Mais le graphisme est vraiment joli, quoi. Voilà, petite promo. Bah, celle-là, on l'avait pas, donc ça fait plaisir. Franchement, celle-là, elle rentre dans la collection, ça fait plaisir. Je regarde toujours mes petites cartes Metazoo parce que c'était vraiment l'ouverture. Et puis, alors, c'était tout était nouveau, donc on était tous à fond dedans, bah, comme sont tous les gens maintenant en 2024 dans tous les nouveaux TCG. Mais il y a eu ça, il y a eu aussi Cannabis qui a explosé avec des cartes à 1000 euros, même plus. Cannabis, c'était autour du cannabis, voilà, c'était que des cartes autour de ça. Ça avait fait un carton dans les groupes, machin. Et puis après, c'est pareil, feu de paille, ça s'est éteint. Et tous les gens se sont retrouvés avec des cartes qui sont peut-être pas impossibles à vendre, parce qu'il doit toujours y avoir un marché, mais très compliqué. Vous regarderez Cannabis, avec Beast comme une bête à la fin, et vous verrez de quoi je parle. C'est pareil, ça a existé, vous en avez certainement jamais entendu parler, mais voilà, ce qu'il faut, c'est regarder ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui peut se passer après. Donc voilà, on a nos trois petits boosters, on va les ouvrir tranquillement, mais par contre très content d'avoir le petit dragon, je l'avais pas, je suis très très content. Donc les petits boosters, vous avez des petites ouvertures comme ça. Donc voilà, donc la rumeur, je pense que ça restera une rumeur, mais ce serait pas impossible après qu'un jour, parce que là ça ne vaut rien, je veux dire, même quelqu'un pourrait le racheter, allez, peut-être 1 € symbolique, et ça se vendrait peut-être, hein. Donc voilà, mais personne n'a envie de s'embêter avec ça. Un jeu qui a déçu tout le monde, les gens, les investisseurs, les collectionneurs, les joueurs et les distributeurs. Après, pour revenir derrière, c'est très compliqué. Alors c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez, c'est très enfantin, mais dark et c'est très rigolo. C'est sur les cryptides, donc sur les contes un petit peu pour enfants et les légendes urbaines, les légendes de la campagne aussi aux États-Unis. Exploding Mine. Chaos Potion. Alors je crois qu'il me manque une carte ou deux, parce qu'il y a des reverse et des holo, et il doit me manquer une ou deux pour avoir le full set en édition 1. Matlocks. Après, il y a des erreurs des fois, par exemple, vous avez Squanch, ou voilà, il y a un petit QR code dessus qu'il y avait sur Kickstarter et qu'il n'y avait pas sur l'édition 1. Kickstarter, bah, c'est pas dur à voir ici, il y a un petit caver, donc ici, c'est de l'édition 1 normale. Rock Rain. Ah, ce serait bien d'avoir un petit Mudman. Ah, bon, celui-là, on l'avait déjà. C'était une très bonne carte, ça c'est pareil, c'est une carte qui se vendait, je sais pas, peut-être 50-60 euros, maintenant ça doit peut-être se vendre à 10-15. Mais je l'ai déjà en holo, elle existe en reverse. Hop, et après vous aviez comme dans tous les autres TCG, voilà, Océan pour avoir son mana, enfin voilà, Water Aura. On continue. Ouais, ce serait vraiment bien d'avoir un petit Mothman pour fêter les 3000 abonnés, même si je vous dis, je pense pas qu'on va faire une grosse vidéo putaclic avec écrit 3K, on va se faire les coucougnettes en or et tout ça, on s'en tape un petit peu. Le principal, c'est ça reste le fond. Alors c'est parti. Très jolie cette petite carte. Bon, tout ça j'ai déjà eu, hein. Je vous laisse regarder, voilà, la queue de lapin. La queue de lapin, Snow Asset, Bookmark, Fog of War, Storm Whip, Fog of War, et le Metal Man of Alabama.
Celui-là, eh ben, je crois que je l'ai en Elo, mais je ne crois pas que je l'ai en River. Je vérifierai après, mais je ne crois pas que je l'ai. Je vais le mettre avec les autres. Hop. Et ça, c'est notre petite carte machin. Encore une chance d'avoir un Mothman full holo. Voilà. Bon, après, j'en ai déjà, mais franchement, si j'en rajoutais une à ma collection, je ne serais pas contre. Ce qui serait rigolo, ce serait GameStop, pour ceux qui ont suivi GameStop. Mais alors, c'est un doux rêve. C'est ce qui toujours suscite voilà, le doux rêve dans MetaZoo. Mais ce serait GameStop qui est revenu des morts parce que seulement un petit groupe de personnes. Voilà, vous les défiez Wall Street, eh ben, qui rachètent ce TCG et qu'ils ont en face un espèce de truc. Mais c'est le premier TCG là, qui était sorti, qui ressemblait plus à de la crypto qu'autre chose, quoi. C'était vraiment. Enfin, je dis pas que c'était perdu d'avance parce qu'il n'y avait déjà pas de place du tout. Enfin, moins maintenant, hein, mais il n'y avait déjà pas de place pour de nouveaux TCG, et c'est encore moins le cas maintenant. Parce que là, on voit déjà Alterel, les distributeurs ne vont pas avoir assez de stock. On va, enfin, ils vont rencontrer tous les problèmes. Chacun a ses problèmes, chaque TCG a ses problèmes. Et ils vont rencontrer des problèmes et puis à voir après s'ils survivent. Mais là, pour la place pour des nouveaux TCG, on a échangé dans les commentaires là-dessus. Et pour moi, c'est compliqué. Là, les gens, là, on a un nouveau gouvernement. Poum, ah, oh, la pauvre petite Rivers, le Gigi Bird. Bon, bah écoutez, bah, ce sera pas un Batman en live pour cette fois-ci. Mais très jolie petite boîte. Et puis, la nostalgie, pas forcément, parce que c'est sorti il y a 3-4 ans. Mais très rigolo à ouvrir. On va compléter. Je crois que celle-là, il me la manquait. Donc, c'est parfait pour le set. Maintenant, on va se motiver et ouvrir la prochaine fois ce petit starter deck Ice Edge. Voilà, magnifique. Et le chasseur de Mothman vous souhaite une bonne fin de journée.